est directement parti pour un défilé de mode, les gars. Je suis avec Power Jumper avec moi qui on va se faire juger, les gars, par Théo qui va être le maître de ce défilé de mode. Objectif aujourd'hui, c'est de gagner. On doit pas se faire cramer. Moi, je vois les pseudos de personne, vous pouvez voir, et donc je ne sais pas qui est qui. Mon objectif, c'est que DHM et PJP, évidemment, ils ne gagnent pas parce que tout comme bon ami, on a pas envie que ses potes gagnent les défilés de mode. Il y a quelque chose pour le gagnant ou pas? Je dois te donner 100 balles. Moi, mon objectif, c'est de ne pas faire trouver par toi. Et toi, ton objectif, c'est de nous trouver. C'est un petit peu un qui est-ce, sauf que. Ah, est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions déjà? Tu fais ce que tu veux, frérot. Après, on peut te mentir aussi, tu vois. Ok, ok, d'accord. Du coup, c'est quoi le premier thème du défilé? En fait, je le sais, je le connais. Il y aura 4 thèmes au total. Et ce premier thème, c'est à poil. Mais c'est quoi ce thème de détraqué, frérot? Vous devez être le plus dénudé possible, c'est-à-dire que moi, je puisse voir le plus de votre corps possible. Voilà. Je tiens à préciser que c'est Théo qui a choisi les thèmes. Un peu chelou, mais vous connaissez Théo. Hein. Non, 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 c'est DHM. Tu m'as proposé des idées et toi, tu m'as imposé ça. Tu m'as dit, je veux que les gens soient à poil. Moi, je témoigne, les gars. Je balance. C'est Théo, il a trouvé le thème. Ouais, moi, je balance. Le thème, c'est à poil. Est-ce que ce premier skin, à votre avis, dans les commentaires, il respecte le thème? Évidemment que. Oui, t'as eu peur, hein, parce que il respecte bien. Parce qu'il a un jean troué. Franchement, s'il avait pas eu le jean troué, il était pas pieds nus, peut-être qu'il passerait pas. Oh putain! Il est tout sauf à poil, lui. Mais t'es con? Bah de quoi? Bah je sais que c'est toi, là. Mais moi, je suis au long, moi, je vois tout. Tu dis que moi, je suis le personnage bleu, là? Bah ouais. Mais vas-y, tu es un abonné au calme, vas-y, tu es un abonné de sang-froid. Bah en fait, le problème avec toi, c'est que t'es pas à poil, frérot. T'es rempli de plumes. Est-ce que je lui laisse une chance ou pas? Non. Ça dégage. Premier éliminé de la vidéo, les gars. C'est pas moi, let's go. Ok, toi, bah je pense que c'est toi, PJP. Qui ça? Le bonhomme bleu devant moi. Mec, t'as commenté comme si t'étais à ma gauche. Sur le Discord, j'avais l'oreille gauche qui sonnait, frère. Tu es un abonné gratuitement, mais c'est débile de faire ça. Tu devrais m'encourager à te tuer si c'était pas toi. Moi, je vois ce qui se passe au loin, en fait, c'est juste drôle parce qu'il y a un mec qui danse. Mais tu peux pas voir ce qui se passe au loin, même moi, je vois pas ce qui se passe au loin, frère. Il y en a un autre de bonhomme dégueu, là. Il y en a deux des skins comme ça au total, là. Du skin que t'as tué, là. Je le vois, il est en face de moi, il est en face de moi. De toute façon, ce skin respecte... Non, ça respecte pas. Ton skin ne respecte pas, tu veux que je te tue? Toi là, le mec devant moi, tu fais non avec ta souris ou ta manette. Et PJP, tu me dis oui en même temps. Qu'est-ce qu'il raconte, mais Théo, mais juste faire un défilé de mode. Est-ce que le gars il est tout nu ou pas? C'est tout. Mec, c'est 100% PJP, frère. T'es demandé de faire non avec la tête à toi que je regarde. Et toi, PJP, je te demande de dire oui. C'est super drôle parce que je crois pas ce que je dois faire. Toi, je te retiens. J'ai un doute 100%, c'est toi. Toi, est-ce que tu es bien dénudé? Ouh, fais un petit tour sur toi-même là. Ah ouais, ouais, ouais. On voit les jambes, les cuisses, les genoux, les épaules, un petit peu le dos. Parfait, parfait. Ensuite, toi, mais toi, frérot, t'es habillé en cosmonaute à quel moment? Le thème c'est à poil, il est viande astronaute. C'est le truc le moins à poil possible. Toi le thème à poil il est plutôt bien respecté parce que t'as un petit débardeur, t'as une mini jupe, t'as des très jolis tatouages sur le corps. Ça passe, c'est forcément validé, hein, c'est totalement logique, on est dans le thème. Là aussi on est un gars qui est torse nu, qui est bien rouge, qui s'est bien fait cramer par le soleil. On dirait Brice à la villa, frérot, c'est dinguerie. Oh, la balle perdue. Tu t'es pas lavé depuis très longtemps, c'est bien. Tu sens très mauvais, c'est parfait. Frérot, non. Ça passera pas. Je comprends l'originalité et tout de vouloir prendre le petit méo musclé, mais il y avait des skins qui étaient vraiment torse nu. Là, t'es que chemise entrouverte, t'es un peu à la Dani. Donc ça suffit pas. Ok, ensuite, Venom. Bah, Venom, en fait, le problème, t'es tellement à poil, frérot, que tu n'as plus de peau. Donc on peut pas faire plus à poil que toi. Ta main, c'est ta pioche et t'es à poil. Enfin, t'as rien, t'as aucun habit sur toi. Ensuite, à toi. Toi, t'es torse nu. Ok, t'es pieds nus en sandales. Ça passe, ça passe, ça passe. Oula, attention, bouge pas, toi. Bouge pas, bouge pas, ne bouge pas. Ok, je bouge pas, frérot. C'est toi? Il y a trop d'abonnés autour de moi, bougez les abonnés, bougez là, vous allez me faire cramer. Voilà, oh, vie de ma mère, moi j'ai vu, t'étais là en train de bouger, et bah là, je t'ai vu taper de la pioche comme si tu disais bouger. 100% c'est toi le bonhomme bleu, PJP. Je te jure, c'est pas moi le bonhomme bleu. Toi, tu passes, c'est bon. L'extraterrestre, what the fuck. T'as un marquage de bronzage, l'extraterrestre. Je connaissais pas sa skin. Incroyable. Effectivement, c'est validé. Bon, là, c'est validé, hein. On a un vecteur Sony, évidemment, qui sort de la plage. Là, oh, attends, bouge pas. On va l'accepter. Je vais t'accepter. J'ai failli pas t'accepter. Je savais pas si t'étais un être humain dans un déguisement ou si c'était vraiment un sort de squelette bizarre. Mais t'es un squelette, donc t'es forcément à poil. Au suivant, on a un gladiateur. Évidemment, qui passe, les amis. On peut voir que là, il a pas grand chose pour s'habiller. Également, il est bien, respecte bien le thème à poil. Oh, toi, Harley Quinn, fais un petit tour sur toi-même, là. Harley Quinn, je pense qu'il faut l'éliminer, hein. Je pense que c'est pas dans les règles, hein. Bah si, je suis désolé, t'es quand même beaucoup trop habillé par rapport aux autres. Et là, Indiana Jones également. Ensuite là, et là c'est pareil, là on a quelqu'un en short t-shirt. T'es pas assez à poil, frérot, t'es trop habillé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est DHM, ça, il faut le tuer. C'est DHM ça? Bah ça, il faut lui tirer dans les jambes, hein. Eh non, c'était pas moi! Putain! Mais mec! Tu me fais buter des abonnés pour rien là. Toi, bouge pas, arrête de bouger parce que tu vas t'en prendre une. Attends, mais il y avait un autre skin comme toi, bouge pas. Ok, j'ai fait mon choix.
Bon, ça qui est fait, c'est bon, j'ai fait mon choix. J'ai pris tout simplement ce skin là parce que le skin là, en fait, il a pas de sac à dos. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? En tout cas, s'il y avait un thème être moche, tu gagnerais, hein. Moi, je trouve stylé son skin, regarde. En tout cas, je trouve qu'il respecte. Dis-moi que c'est toi aussi, Adam. Enfin, t'es complètement con en fait. Justement, je dis, j'aurais pas choisi ça parce qu'il est dégueulasse le skin. Moi, j'ai pris un skin féminin, voilà, je te le dis. Bon, moi, j'ai une petite question. Est-ce que le prochain thème, ça peut être la maman de DHM? On doit se déguiser en skin Fortnite. Le problème, c'est qu'on est déjà un petit peu dans le thème de sa maman là. Wesh! Toi! Frérot, t'as une chemise. Oh, la banane à poil! Ça, c'est le meilleur skin, un des meilleurs skins également, parce que là, en fait, tu es complètement décapoté. On t'a enlevé toute la peau du bout du glu. Voilà, allez, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Ah non, toi, ça dégage parce que t'as une chemise. Et toi également. Toi, ça respecte exactement le thème, évidemment. T'es bien poil. Le Yeti, t'es beaucoup poilu. J'ai tué un gars tout à l'heure, mais t'es un peu moins poilu. On va te laisser passer. Parce qu'il faut un petit peu des participants encore. Skin là, on l'a déjà pas mal eu, mais ok, ça respecte en vrai. Et là, j'ai fait le tour. C'est bon. On va passer au second. Second thème, les amis, mettez-vous dans vos cabines right fucking now. C'est quoi le deuxième thème, Théo? Le prochain thème, c'est la guerre. Le thème guerre? Donc on passe de tout nu à guerre, quoi. C'est quoi ce thème? On passe à la guerre, c'est-à-dire, pour vous donner un peu plus de détails, je suis le sergent-colonel Ryan. C'est la guerre, demain, il faut que je vous sélectionne juste à la vue, sans test physique. Est-ce que ça peut être n'importe quelle époque ou faut que ça soit la guerre moderne, genre? N'importe quelle époque. Je sais très bien ce qu'il va faire, il va faire une dinguerie. Oh oui. Bon, les gars, moi, je vais faire mon combo de skin. Là, l'objectif, c'est qu'en gros, on soit recruté dans l'armée de Théo. Mais si je prends Doomslayer, les gars, qui a un très joli skin, je pense vraiment que ce skin, même si t'as envie de faire la guerre, il y a beaucoup de monde qui va l'avoir. Ce qu'on peut faire, les gars, soit prendre ça, agent d'élite. C'est un skin rare, les gars. Ça peut grave le faire. Allez, vous avez encore 20 secondes pour vous habiller. Sac à dos, pioche. Ok, Théo, je suis un peu sorti en train de ma cabine, mais j'ai mon combo de skin qui est incroyable. Franchement, si tu me prends pas avec toi à la guerre, je comprends pas là. Mon gars, c'est moi qui ai le meilleur combo de skin, DH. Là, j'ai fait un combo de skin tarlé ouf. 5, 3, 1, 0. C'est parti, les amis. Je commence ici. Ouh là là, mais toi, évidemment que je te prends à la guerre, frérot, avec moi. Enfin, là, toi, je te mets en ligne de front, tu fais peur à tout le monde, évidemment. Ensuite, là, oh là là, on a une mercenaire trop stylée. On a un beau sac à dos, une très bonne pioche qui va exactement dans le thème. On a une arme aussi, on a un fusil à pompe dans le sac à dos, on a une petite grenade, on a le casque pour protéger les headshots. Toi, tu seras envoyé en première ligne de mire avec le Omega qui est là. C'est validé, frérot, ça fait peur. Toi, le Stormtrooper, j'avais dit personnage fantastique et tout, comme ça, on évite, hein. Genre, si un gars, il a pris Naruto, genre, tu le tues. Ah oui. Mais Stormtrooper, c'est la guerre, mec. Un malade. Je l'ai dit, hein, je veux pas de Marvel ou de trucs comme ça là. Bah non, c'est pas un super héros, c'est la guerre pure et dure. Non, 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 c'est trop facile. Là, j'ai deux mecs, trois mecs qui m'ont sorti des vrais skins de guerre. Théo le rageux dans les commentaires, Théo le rageux. Théo le big hater, les gars. Refais-moi ton émote. Vous avez le droit de faire une petite émote, hein, ça compte si vous en avez une en stock. Oh, on a le droit de faire une émote, ok, les gars, je vais essayer de trouver une bonne émote à faire. Ça, c'est le skin Halo. Je vais le prendre celui-là, hein. Oh, il est tellement nul ton skin, c'est pire que moi. Incroyable mon skin, frérot, qu'est-ce que tu racontes toi? Il est magnifique ce skin. Je connaissais pas, je l'avais jamais vu. Toi frérot, tu... Oh là 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 là. Là j'en mets tous les mecs à ma gauche à la guerre, hein. 100% on gagne, hein. À toi. Ok, ça fait un petit peu esprit samouraï et tout. Je vais me permettre, Théo, hein. Let's go. Je faisais partie d'un des 10 premiers skins que t'as qualifié. Je vais pas dire qui, mais voilà. Déjà, mais mec, là, retiens bien Théo, hein. Il vient de se balancer. Moi, je pense que c'est toi, là. Ah, il parle plus, là. Bah non, mais il faut continuer le défilé. Toi, ça passe, évidemment. Je valide ton skin, toi. C'est faible, hein. T'es juste habillé en pantalon treillé. Moi aussi, je pourrais. À toi. C'est faible aussi là, on n'a pas des vrais guerriers. Ouh là là, ça chauffe pour Power Jumper. Ça chauffe de rien du tout, moi j'ai pas peur moi. Moi je l'attends Théo. Et regarde, pour tous ceux qui voudraient jouer à cette map, le code s'affiche à l'écran et il sera également en description, c'est ma petite map défilée à moi. Donc voilà, n'hésitez pas. T'as des munitions sur l'épaule, on a des petits pockets tactiques sur le gilet pare-balles un peu partout. Le problème c'est que t'es en t-shirt. Pour la guerre c'est pas fou, faudra peut-être arranger ça. On a des genouillères, t'es peut-être un grimpeur escaladeur, t'as des sabres. Bah lui il est validé, hein. Non, DHM c'était toi. Mais non, moi j'étais dit, moi je suis déjà loin. Ok, c'est bon. Pourquoi y a des mecs en planeur là? Pourquoi y a des poissons? Les gars, restez devant vos cabines. C'est quoi ce bordel? Mais d'où vous sortez vous? Et pourquoi ils sont énervés? Ils sont venus en finir eux. Attends, c'est où moi? Je veux voir, c'est où? Il y a la guerre. Mais attends, moi je vais faire partie de la guerre, c'est où? Mais pourquoi vous venez tous? Mais mais pourquoi? À l'attaque! Ok, Théo, je te dis où je suis parmi tous les abonnés là, je suis dedans. Les gars, tout le monde devant ses cabines dans 3, 2, 1, let's go, tout le monde devant ses cabines. Genre, c'est pas vous qui m'avez fait un troll là. Genre là, tous les mongols d'un coup ils se sont dit, on go sur lui, genre. Bon, on y est peut-être pour quelque chose, mais moi je dirais rien. Oh, t'as les deux guns dans le dos, toi ça passe, toi c'est bon, toi t'es armé, t'es prêt, frérot. Le poisson, regarde-moi. Mec, c'est incroyable d'avoir une tête de mongol. En fait, je suis mitigé, j'ai envie de te prendre. Moi, frérot, en tout cas, je suis qualifié. PJ, t'es qualifié ou pas? Mais moi, je suis qualifié depuis longtemps, mon gars. Ah bon, bah tranquille. Aise, hein, franchement, Théo, hyper aise, hein, t'es défilé. Est-ce que ce serait pas toi, DHM? Non, pas du tout, moi je suis qualifié. Je suis sûr que vous êtes tous les deux en poisson, c'est obligé, je vous connais en fait. Ah, DHM, de fou, on est grave en poisson, de fou, de fou.
De ouf, on est tous les deux en poisson de fou malade. C'est bon, je vous prends la guerre avec moi, vous, c'est bon. Les deux, tu prends les deux? Non, mec. Bah si, j'ai deux poissons comme ça, mec, en plus. C'est tes gardes du corps. Je dois en tuer un des deux? Ce que tu veux, c'est toi le maître du défilé. Les deux poissons qui chialent. Les gars, les deux poissons dégagés là. Si vous chialez, vous êtes. T'as rien à faire à l'armée en fait. À toi, Thor. Mais toi, c'est Odin, t'es fils de Odin, toi. Toi, t'es magnifique, toi, t'es qualifié. Ensuite, ok, ça tryhard un petit peu. On a un bouclier. Ok, on est prêt à la bagarre ici. Oh, on a une scie. Toi, tu peux être très utile, hein. Avec ta scie pour scier des chars, des tanks, des trucs comme ça. Toi, c'est qualifié également. Là, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on fait voir ton sac à dos. Ok, c'est un sac à dos tactique. On a une hache, c'est parfait. Moi, j'aime bien. Toi aussi à la guerre, je te prends avec moi. Ensuite. Oh, je crois que t'as fait le tour là. Hein. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Let's go. Moi, je suis qualifié, les gars, pour la prochaine manche. Est-ce que tu veux connaître mon skin, mec? Ouais, t'es. Bah. Je suis officiellement qualifié, on est d'accord. Ouais. Ok, viens au milieu de la map. Moi aussi, je suis qualifié, on est d'accord. Je peux te montrer mon skin. Venez. C'est moi qui vole là derrière toi. Moi, j'étais avec mon copain le poisson. Il y a un abonné, il était comme moi. Regarde, c'était moi les deux poissons. Ah, t'étais un poisson, toi. Je me disais. Ah, mais mec, je savais qu'il y avait un de vous tel quel. On a créé l'émeute. Moi, je suis celui avec le larme dans le dos. Ah, mais c'est toi qui a créé l'émeute. Mais vous aviez parlé ou pas? C'est moi, j'ai créé l'émeute. Ils m'ont tous suivi, les abonnés. Ah, c'était trop drôle. Allez, tous à vos cabines. Mettez-vous pas loin l'un des autres. Mettez-vous là où je suis là. Comme ça m'évite de tourner en rond pendant des heures. Le prochain thème, c'est carnaval. Allez. Carnaval de Rio. C'est parti. Vous devez présenter minimum une émote, les amis. Ok, les gars. Donc là, thème carnaval. Thème carnaval. Faut de la couleur. Faut un truc un peu Brésil. Tu vois, carnaval de Rio, tout ça. Carnaval, les gars. J'ai trouvé le meilleur skin carnaval radé. Parce que carnaval, c'est festif. Il y a de la couleur. C'est le skin carnaval. Alors, est-ce que ça va dans le thème carnaval? Non, ça fait un peu sport. Même si les couleurs, en vrai, les gars, ça peut faire carnaval. Il faut un skin qui a de la couleur et qui fait fête, tu vois. Faites pas ça, vous allez être éliminé, évidemment. Oh, le sac à dos, il est trop bien. Il est trop mignon. Avec des petits ballons. On va mettre cette petite pioche. En plus, j'ai une émote déjà avec le skin. Oh, mode carnaval de ouf. Oh, trop bien, les gars. On a le skin parfait. Let's go. Attendez les gars, on va essayer de chercher de la couleur, essayer de chercher un peu de paillettes, un peu de... Oh, celui-là. Non, celui-là fait pas carnaval malheureusement. Et on va prendre celui-là les gars, il y a un peu de couleur machin. Le sac à dos les gars, faut un truc très festif, très coloré. En vrai les gars, juste prendre le petit cœur hein, finalement. Parce qu'en vrai les gars, je vois pas ce que je peux prendre hein, pour le sac à dos carnaval. Ok les gars, je vais prendre le truc de Travis Scott, ça fait de la lumière. Et la pioche les gars, très importante. Une pioche très colorée, ça je suis sûr que j'en ai par contre. Pioche très colorée, regardez, ça fait carnaval de fou je trouve. Ça peut le faire les gars, en mode carnaval. Et une danse, il a dit. Bon, ça on la trouvera sur le moment. Grosse dédicace à ces deux dernières personnes qui viennent de s'abonner. Si tu veux ta dédicace, frérot, abonne-toi avec la cloche des notifs. Allez, je commence par la gauche. Premier skin, ten carnaval. C'est parti. Oh, on est exactement dans le thème. Cheveux un petit peu style LGBT, cheveux multicolores. On a le petit, comment ça s'appelle ça? Un éventail. Voilà. Avec le sac à dos, on a des zérés au sol un petit peu partout. De haut en bas, c'est extrêmement dans le thème carnaval. Félicitations, tu es qualifié. Au suivant, on a le Joker. Le Joker qui habille tout en rose, violet. Avec la. Mec, t'es magnifique. Franchement, thème carnaval, ça passe. Le sac à dos est parfait. La pioche aussi, tout est parfait jusqu'au chapeau de haut en bas également. Là on a le Batman qui est à risque hein, parce que c'est un skin évidemment, c'est un déguisement tu vois, c'est pas très carnaval quoi. On a la pioche cadeau d'anniversaire avec, oh là là, ce sac à dos franchement il fait la diff. On se serre la main frérot, ça passe évidemment. Ensuite Spider-Man. PJ, c'est quoi ton skin? Tu me l'envoies? Je vais t'envoyer mon petit skin frérot, tu vas pas être déçu. Ensuite, oh là là, mais là on est très bien dans le thème là hein. Ah oui, non mais là j'ai pas besoin d'en voir plus, là tout y est là. Non mais DH, tes skins, c'est le pire. Non, je te jure, t'es horrible, t'es trop laid, frère. Toi, tu es évidemment qualifié, parce que ta pioche, elle est incroyable. Ta pioche et ton sac à dos carry complètement. Félicitations. Ah ouais, non, le sac à dos, franchement, stylé, tout est stylé. Ok, parfait, c'est bon, t'es qualifié, toi. Ah, toi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu soirée star, plus que carnaval. Oh non, l'émote. Franchement, on a encore beaucoup, hein, frérot, faut en tuer, là. Mais en fait, Théo, t'es un gros noob. Je me rends compte, t'es un gros noob dans les défilés de mode. Incroyable, l'émote, il est incroyable. Tout est incroyable, parfait. Félicitations, tu es qualifié. Très original, le skin, j'aime beaucoup. Ah, cet émote ça j'ai déjà eu. C'est très glauque. En vrai, ça fait très déguisement parce que ça fait couture. On a l'impression que quelqu'un est dedans. C'est forcément qualifié. Excellent. GG à toi. Pourquoi vous êtes deux là? Je sais pas, il me colle. Hein, c'est toi? Non, moi je suis l'autre, mais il me colle. Mais tu viens de me dire qui tu es? Pourquoi tu t'es balance? Mais non, c'était pas moi, bien joué Joe. J'aime beaucoup, ça passe, évidemment ça passe. Les motillés, t'as un petit masque sur la tête avec une petite étoile entre les yeux. Un habit rouge très vif et très soignant. Les cheveux colorés, tout est parfait. Refais ton émote s'il te plaît. Le mec il est en train de lire la carte de Fortnite. Hey, tu dis HM, je sais que c'est lui frère, y'a que lui qui a cette émote. Comment ça, comment tu sais qu'il était en train de lire Bah là je suis avec mon petit skin Harley Quinn en train de faire des constructions tu vois. Ça c'est toi? Ouais c'est moi le skin Harley Quinn. Ou c'est toi? C'est toi des HM? Ouais tout le monde mettez les mains en l'air, c'est parti pour la soirée. J'ai pété un câble, t'es lequel?
J'suis trop bête. Donc c'est toi ça. Ou bien t'as la canette bleue. Descends la canette s'il te plaît. Attends, toi, fais voir ce que t'as toi à proposer au moins. C'est quoi cette danse? J'ai jamais vu, frère. C'est une émote que j'ai beaucoup vue. Ça passe, c'est validé. Ensuite à toi la canette. Mec, cette canette, elle est un. C'est... Ah, mais c'est pas une canette, c'est une bombe. Attends, mais je viens de comprendre un truc là. C'est une putain de bombe qui va éclater et autour de toi t'as des missions. Non, même pas ça, un carnaval en fait. Il a quoi l'abonné? Il a quoi? C'est une bombe le mec? Non, c'est toi, PJP. Moi je dis faut le tuer, faut lui casser les dents là. Regarde là. Lui, faut le tuer. Casse-le en deux. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est pour on boit du lait de coco. Du lait de coco en carnaval, hein. Vas-y, fume sa mère à lui là. Vas-y, il mérite que ça. Allez les gars, resserrez-vous un petit peu sur vos cabines s'il vous plaît. Le thème, les amis, de cette finale sera Jeune Mongol. Hein? Vous devez être des jeunes mongols. Un skin genre un peu asiatique, genre de Mongolie, c'est ça? Aucun rapport, vraiment aucun rapport. Hein. Non mais les gars, c'est totalement aléatoire. Non, c'est pas aléatoire, c'est moi qui choisis si vous êtes dans le thème jeune mongol ou pas. Okay, les gars, faut prendre un skin un peu genre psychopathe, tu vois. Genre un peu en mode... Tu vois. Le thème là, c'est jeune mongol, le thème, mais je vais trop galérer moi. Ils ont même pas mis de skin DHM dans le jeu, il y aura un skin DHM, j'aurais pu mettre jeune mongol là, mais là c'est compliqué. Les gars, vous en pensez quoi de mon skin? Moi j'ai trouvé le skin parfait, let's go. Allez, je vous laisse un petit peu plus de temps, là vous avez 20 secondes maintenant. 20 secondes. Là il manque plus que la pioche. En vrai faut une pioche de jeune mongol aussi j'imagine. Moi c'est bon, j'ai fait mon petit combo de skin mongolito. Moi ce que je propose c'est que pour la grande finale on se mette tous en ligne à côté. Tous au milieu les gars, let's go. On se met en ligne. Les amis, la finale se joue sur le thème jeune mongol. Quand je vous vois j'ai envie de vous appeler. Salut à toi jeune mongol. Les premiers jeunes mongols sont appelés à rentrer. Ok mais toi il a pris un skin asiatique. On parlait pas de la Mongolie, on parlait du Mongol, le gnang. Et toi là frérot, fais voir ton émote quand même. Ah oui. Quoi, t'es en train de dire que tous les gens qui font le ménage c'est des Mongols? Ah non, ça je peux pas admettre. Ça va jeune Mongol? Oh là là, ça passe trop bien. Allez toi t'es qualifié, tu peux te mettre à ma droite. Oh là 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 là. Fais voir ton émote le Poiscaï. Oh putain. Incroyable émote. Ok à toi. Je suis mort, c'était quoi ce jeune mongol? Ok. Bougez pas, je fais un tour de vous. T'as mis un sac à dos Travis Scott, ça, non? Ok, les émotes, à toi. Ok, avec la bouche ouverte comme ça, j'avoue que ça fait pas mal. À toi. Mais DHM, pourquoi t'as mis un skin tout en noir? C'est pas du tout dans le thème mongol, ça marche pas. Non. C'était lui, let's go. PJ, je te déteste. La putain merde, j'ai dit random, je voulais même pas ton pseudo. DHM PJP, t'as balance hein. J'étais en train d'hésiter et franchement il m'a fait balancer hein. Donc je serais toi, je le balancerai hein. Mais c'est quoi la proba? Non mec, c'est le hasard. C'était quoi cette proba? T'es bien loin de décider, heureusement tu m'as qualifié depuis hein. C'est faux, il est pas encore passé. Je vais pas dire mais... Que je suis déjà passé, que je suis en train de les observer. Je suis sûr c'est l'un un des deux. Je vous ai pas demandé sur les émotes. PJP, je le vois bien être ce skin là. Ça va en raccord avec ce qu'il a fait tout à l'heure. Oh comment il a tout faux. Oh le noob, vas-y tu l'abonnes. Moi j'avoue, moi je suis peut-être d'accord avec Théo, je dis ça comme ça. J'ai envie de tuer les deux hein. Ah vas-y hein. Vas-y, ça fait des abonnés en moins en vrai hein. Comme ça moi je gagne la vidéo. Non toi je vais te qualifier pour l'instant. Les deux suivants s'il vous plaît. Pour l'instant l'autre je qualifie parce qu'en vrai il est un petit peu différent des autres sur son skin, il est un peu ballon gonflable. Attends, il y a un nounours. Ok mais c'est pas du tout jeune mongol hein. Le skin n'est pas du tout dans le thème là. Mais si les animés c'est pour les mongols en gros. C'était ça la phrase. Ah bah parle bien des animés frérot. Mais non mais moi c'est pas moi qui ai dit ça. Ça veut dire que c'est le mec qui a mis le skin qui voulait dire ça. Ça ne suffira pas les amis. On a les 5 finalistes je crois. Venez là sur le côté. Ok maintenant les amis, pour cette finale je dois faire des éliminés. Ça va frère, tu la vois ma tête là. C'est bon maintenant je peux me cacher. Toi c'est moi mongol. Allez un de moins. On a le quart de finale les amis. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur le skin de PJ hein, sur la couleur. Mais ferme-la. Arrête de dire que je suis rouge, tu vas m'énerver. Je t'ai dit il y a du bleu sur son skin. Mais arrête. Non. Let's go. Ok attendez, on a la finale les amis. La finale et c'est évidemment oui, l'extraterrestre qui gagne avec les deux suites de mon jeune mongol. Ah mais c'est toi ça encore. Dégage de là, voilà, dégage de là les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu avec cette finale incroyable sur le thème des jeunes mongols. Merci beaucoup les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui veulent participer aux vidéos les gars, il y aura mon Discord en description, donc n'hésitez pas à venir.